Bonjour tout le monde, comment vous êtes? C'est Rubrique Paul à l'économie de Chaïka et c'est présentatrice Paul à Lourdes. Je dis à c'est un plaisir pour nous gagner dans la MCG qui a un très bel projet que vous venez présenter nous. Bonjour MCG, comment vous êtes? Bonjour tout le monde et c'est un plaisir pour nous gagner dans la MCG. So, nous connaissons qui est déjà. Nous venons avec un nouveau projet parce que ça fait plaisir en pile le fait que je participe dans l'économie de Chaïka aujourd'hui. Ok. Ipian relé de Asian Boy. Pour qui ça? Ipian pote non ça de Asian Boy. C'est pour nous capables de dire moun yo que ça, li soti Haïti. Et mais qui ça nous voulons vendre de Haïti que nous même n'apprivions de Haïti que en pile moun pense mal de lien. Que nous même à musique nous capables de faire un paquet de gros bagay pour Haïti ça. Ok. Combien de temps vous avez pour préparer Ipian? C'est un EP qui sorti en dans un album qu'a préparé, c'est des musiques que moi tiré de album moi qui en préparation que me gagne au moins 2 ans à préparer. OK, album là s'il gagne 2 ans à préparer, ça veut dire EP en presque gagne même quantité temps en tout. Combien mon gagne qui travaille sur projet ça avant? Moi gagne zanmi et des producteurs qui zanmi, par exemple nous gagne Fav K Lord, qui sont beats, nous gagnons Maestro Berto qui sont bon maestro, Kobe qui joue guitare sous deux noms musicaux, et moi c'est que c'est Nexayo avec moi-même qui et dans qui sont mixing et mastering qui gère tout ça dans Sequoia Empire puisque nous connaissons nous gagnons propre studio nous. Ok, pour qui ça n'a pas remarqué un paquet comme si plusieurs et featuring sur album, est-ce que c'est Ego ou bien c'est l'autre artiste qui va te mettre disponible pour ça? Et on nous dit c'est deuxième là et me pas prêt à regarder côté ego parce que me connais featuring est vraiment important, mais à chaque fois que nous te relé you nan yo sous projet yo était toujours manqué temps, mais m'a dit on est ça participer sous EP ça qui est de Asian Boy, c'est un privilège pour chaque nèg qui t'es joué coin ou bien nèg qui t'es roulé pour pas sous li yo, parce que comme si dans niveau artiste moi chanter avec son gros privilège on est qui doit pas comprendre aujourd'hui, mais avec le temps il a venu comprendre que c'était un privilège. Je me pensais qu'il y a bien chance pour participer sur l'autre projet avec nous. Est-ce que vous avez été invité donc il va venir sur le projet? Oui, mais je pas fait personnalité. Je pas choisi faire personnalité. Ok. Si vous avez une possibilité, qui est-ce que vous avez mis sur le projet? Donc pour qui ça? Parce que c'est une jeune artiste qui a fait le projet ça bien. Surtout une musique dancehall que je fais en anglais. Et comme haïtien, parce que Woody Woodboy était fait projet en bien parce que mon musique qui est Emilia, et parce que moi Woody de nos jours apparaît dans un style qui plus ou moins est international par rapport à la dernière musique que j'ai mettait dehors, et c'est un vibe que moi mets en pile. Donc moi mes artistes qui a essayé vendre musique sur l'autre marché, parce que Woody Woodboy c'est premier artiste que j'ai choisi et mettait sous Emilia qui on pareil qui pas écarté, c'est pour une possibilité qui écarté parce que nous avons toujours fait remix là ensemble et m'a dit mon yo que Emily a une possibilité pour vous dire boy sur remix là avec. OK. Donc en passant qui sont passés de rapper ça donc Wendy Baki Trouble Boy, donc qui ça comme si ba vie de monde ça en tant que rapper. Et puis sous ta que vous avez choisi une donc cette pièce. Bon pour la première partie question. Trois rappeurs ça aussi, je pense que c'est trois artistes qui marquent décennies ça dans rap créole là. Et dernier temps ça, je pense que nek ça font paquet bagaille et qui que nous devons honorer nous tout fanatique hip hop et média en Haïti. Je pense que c'est trois bons artistes et trois bons rappeurs. Mais deuxième question, vous m'avez demandé qui est vraiment difficile là pour me choisir une là-dedans, parce que c'est trois artistes qui presque dans le même niveau. Le m'a parlé de artistes parce que tout fait hit, tout fait belle musique, vous comprenez, tout fait belle vidéo et par contre non là. Donc on va poser une question là, c'est qui est-ce que tu as choisi? C'est pas parler de rap comme si dans le vrai sens du terme. Je vais aller avec Baki. Je vais aller pour qui ça?
Et je vais aller avec Baki sous Wendy avec Chobo Boy. Moi, je Chobo Boy en pile, mais Wendy tout. Parce que chaque nèg ça fait un travail différent. Mais dans le sens rappeur, je pense que Baki est plus rappeur que deux autres nèg ça. Je vais l'expliquer, oui. On m'a dit que Baki chante et plus que Wendy, par exemple. Mais Baki, l'ancien Baki, je pense que l'ancien Baki était. Fait plus texte qui était hip hop que de l'autre négio. Par exemple, en musique de Street Life, moi c'est en musique hip hop et que me remet en pile comme si son musique a prêté pour tout un archive hip hop musique. Un artiste qui a toujours fait hip, vous comprenez, nous qui a toujours un hit maker font paquet hit. Mais là on parle de un rappeur, mais moi-même moins ouais valeur rappeur hein, par rapport avec ça l'écrit. Et moi bah, c'est dans cause texte, bah qui écrit plus bon musique. Et qui est hip-hop qui est révolutionnaire tout. Vous comprenez parce que hip-hop c'est ça lié. Faut que le texte reflète la rire, faut que vous ayez des textes. Je pense que Baki, même le baf en pile, mais par rapport avec deux autres artistes, et Baki est pire rappeur pour moi dans le texte. Li. Malgré que on moun ka dit Baki chante, mais tout ça, c'est des talents que l'a essayé de vendre par rapport à ça qu'on fait. Okay. Donc, ou par contre, le fait que yon rappeur choisit faire l'autre type de musique? Non, par contre, li, et en plus, par contre, c'est moi-même qui place pour contre li tout. Et par exemple, il y a des gens qui choisit chanter et qui mettait l'autre touche dans la musique, c'est parce que l'Haïti. Et ça fait. On pas qu'on a Haïti contre ça, mais c'est pas un problème que lié. Ok? Et il y a un rappeur aux États-Unis qui choisit là. Chanter sous des instrumentales d'un sol. Vous comprenez? Il y a qui fait l'autre type de musique, qui essaye de jouer l'autre marché. Il y a un rappeur américain qui fait reggaeton, qui fait un avec Nek Porto Rico, qui fait un jamaïcain qui rappe sous l'autre beat. Je pense que la question de chanter, ce n'est pas un problème de manquer de manque talent. Au contraire, il y a montré une autre facette dans la quantité de talent qu'il gagne. Il y a un paquet d'artistes qui. Il y a des problèmes qui plaignent. Ils disent, oh, monsieur, chante, qu'on y a le barap encore. Mais, artiste ça, le plus souvent, c'est parce que vous-même, vous ne pouvez pas chanter. Gardez artiste qui plus plaignent, qui dit, vous voulez être authentique, vous ne pouvez pas chanter, vous pouvez, si, à chaque rare fois que vous chantez, est-ce que vous bien chantez? Si on n'est pas chanter, normal, vous avez des problèmes avec l'autre, n'est-ce qu'on chante. Donc, si vous avez remarqué, vous avez plusieurs musiques en français, en anglais. Donc, pour que ça vous fait choix ça? Ok, mais son nèg qui comme ça et en fait premier bal c'est parce que me parle langue vrai. Ok, c'est parce que me parle français, me parle anglais et l'autre bagage c'est que me pense que jodi an la monde dans son plan main. Monde dans son plan main et nous ka wel par rapport avec internet, musique ou ka al plus loin et dans n'importe là où chanter musique ou ka al loin même pense et le ou chanter non langue qui plus commercial par exemple anglais, français, espagnol et musique ou en vie commerciale, ça veut dire plus moun ka comprend nous, plus moun ka attendé ou et vibe la aller plus loin, c'est ça. Et puis de Asian Boy, sou remarqué plusieurs musiques dans l'autre langue sou li, c'est ça qui vision. C'est pour l'autre nation, l'autre pays capable apprécier ça qu'a fait là. OK. Finalement, c'est un EP moun ka dit qui world music. Yeah. Donc parce que nous jeune dancehall, rap compas dans EP. Oui, c'est on mixture, nous ka di on mélange et parce que moi mais Drake et moi mais monsieur parce que monsieur toujours a essayé vivre dans un vibe nouveau, Stromae tout moi mais genre de artiste ça qui toujours a mélanger bagaille. Moi même toujours venir à des sons, ouais des instrumentales moi gagne sous EPN, c'est des instruments qui jouent là dedans, pas jamais contenté malgré y a chaque petit grain bagaille qui pour bon mon en musique différent, en son qui sonne et différemment par rapport avec ça au contraire déjà parce que seul grand monde qui dans compétition avec c'est propre tête moi. Donc chaque jour le matin le me lever me garder tête en glace me dit yo si tonton faut que moi dépasse ou faut que moi aller plus loin ou comprendre ces monde ça m'a pour me dépasser, c'est musique que m'a fait. OK, donc ce projet ça qui musique qui préfère qui sont très embarrassantes et mon cas dit bon moi toute musique yo honnêtement moi mais tout préféré
Nous avons toute musique yo et musique les bam bam là et bam bam là, what's a bam bam, c'est en musique moi en pile. Est-ce que c'est type musique là? Il y a grand musique sous et bien qui peut être dans sa bam bam. Moi j'aime si tu le penses là tout son bon musique et qui a et motivé moun. En fait, même toute musique, tu as bon bagage différent qui là dedans qui fait qui peut faire chaque grain de monde plaisir. Et mes deux musiques ça a une attention et particulière pour yo chaque. Moi, même si m'd'a choisi, c'était je suis gradué. Ouais, je suis gradué, mais c'est son musique qui peut jouer dans la graduation et moi c'est pour parce que c'est pas un genre de musique ça vraiment que artiste fait. Et des musiques pour des cérémonies parce que je suis gradué c'est en musique que mon yo pas jouer et dans activité ça dans cérémonie graduation on comprend c'est en musique tout qui a poussé mon aller l'école à l'apprendre continuer goumer parce que et jour graduation c'est toujours un bel jour malgré en Haïti ou pas vraiment connait qui sont prêt à le faire après graduation mais parce que musique ça a une place li dans société hein je dis hein. Mais qu'est-ce que vous pensez de génération ça qui a fait du musique yo? Donc tant que nous avons dit monsieur de la Talaye parce que moi on peut mon a parlé de Bourri de la Talaye. OK, mais vraiment feel génération ça. Comme si me trouvais que musique nèg yo li très très entraînante et malgré gen pile violence, mais c'est ça qui drill là. Et ça m'a fait académie. Yo man, that's a good vibe. Bon c'est que next ça grand puis l'avenir et dans business là seul ça me pas ta souhaiter même j'aime dire mes dichet en pile et haïtien écrasé dichet parce que yo parler nèg yo tellement mal yo dit mouvement nèg yo a fait pas bon et au cas ouais même gen l'autre artiste qui te contribuer dans critiquer nèg yo parce que nous même haïtien nous gen problème ça nous pas rien et encourager ça qu'a venir c'est le fin monter net nous pral bal grade li. OK je dis dichet te ka on il y a un meilleur groupe rap qui a monté. Vous comprenez? Parce que si nous ne voulons pas encourager ces messieurs Sayo, si nous qui en l'air ou qui est en train de dire c'est ces jeunes Sayo, la musique qui a fait pas bon, tout ça, il n'est pas bon. Pendant ce temps, on nous garde là. Il y a un paquet d'artistes qui sont des albums, qui sont des EP, qui sont des projets, des artistes qui, que nous connaissons, qui dépensent paquet de copes faire vidéo pour pile l'argent. Est-ce que vous avez gagné? Qui musique a fait hit là? C'est Tito Tosa qui a fait hit dans le game là, c'est des musiques et Zamoué Sonne, une belle mélodie. C'est musique ça, des musiques drill, artistes en ghetto en fait, artistes qui en herbe qui beaucoup évoluer vraiment. Et je pense que les médias ici en Dubaï ont attention qui puis soutenu par rapport avec John Zayo. Okay. Donc, des Asian Boy, qui sont en train de bouger ça? Et que tout le monde feel et que tout le monde apprécie que tout le monde achète sur iTunes, Spotify et à regarder toute vidéo moi sur YouTube que mon yo remel que mon yo venir dans activité que m'a bien pour me faire. Est-ce que vous avez une date que vous bail ou bien? Et 25 juin qu'a venir là. OK. C'est jour c'est jour ça n'a sorti pour gens, là disponible sur toute plateforme. Donc comment on peut joindre? OK, j'aime dire là la disponible sur iTunes, Spotify, CD Baby, toute l'autre plateforme et streaming au côté où ka al acheter musique, al tande musique. La disponible tout partout de Asian Boy EP by MCG a disponible sur toute plateforme au 25 juin 2022 ça là. C'est au prix de le moun yo monter sur internet là, il y a pour prix. OK, au pratique non. Est-ce que musique bon cob? Of course, musique bon cob. Sinon, on va continuer à faire. Donc, est-ce que après, il puis ça a gagné des tournées ou bien des concerts, donc comme suivi? Yes, et nous tout annoncer mon yo ça que a bon MCG en concert virtuel que n'a fait très 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 bientôt. Bah quoi, n'a quitté une semaine passée après sorti bien pour nous faire. Et mon yo a bien poursuivi sur Facebook, Instagram avec YouTube. So mon yo doit rester branché et puis n'a bien en tournée dans entre entre l'ouest ak sud. Bah c'est un peu le monde dans zone ça va bien poursuivre nous et pour l'autre monde qui intéressé tout
y a besoin d'un numéro pour conseiller pour inviter nous participer dans des activités. Ok, qui est top 5 rappeur? Top 5 rappeur et yo Fantôme c'est number 1 rappeur haïtien pour moi. Pour plus et le m'a mettre hit, bon texte, classique. Et bah c'est Fantôme c'est meilleur rappeur hein. M'a là avec Blaze One comme deuxième meilleur rappeur. Pas pour quantité non mais m'a parlé de qualité, impact. Blaze One fait avec musique lui. Isolant son hitmaker parce que et Isolant fait un pile hit. M'a c'est Isolant c'est troisième meilleur rappeur pour moi. Ah quand il y a une grande nuance. Et là je viens de Baki Wendy. Avec méchanceté. Donc tu es les deux. Là je viens de Baki Wendy et méchanceté. Si m'a parlé de rap comme si rap technique, lyrique, pas de grosse différence entre méchanceté avec Wendy. Et Wendy a un avantage, il fait plus hit. Parce que il a un avantage artiste sur méchanceté, mais côté lyrique, je pense que pas de grosse différence. Je prends Baki en 4e position et Wendy en 5e position. Ok? Donc, je pense que méchanceté a quelques autres bails pour prouver toujours. Je pense que M. Dwe sorti son 2e album et pour nous t'amener dans le top ça. Et c'est ça, c'est Fantôme. Non, c'est Fantôme, Blaze One, Isolant, Baki, Wendy. Ok. Donc, tout le monde, et puis, il est disponible sur toute plateforme. Oui, j'ai un artiste à te dire, non. Yes. Donc, à l'encourager. Donc, dernière question que je me pose, non, fin émission. Donc, c'est comment tu es senti ou comment tu as vécu le moment, ça, ou tu as passé l'émission? Yo, that was great. Je me feel un vibe, là. Moi-même, ça. Et moi-même, ça, un jeune cap. Et chercher talent au côté et pour présenter au bail grand public là c'est gros bagaille et c'était tout un plaisir pour moi pour me participer dans les chroniques du Chaïka et m'espérer que l'émission ça continue faire chemin. Suivez-nous tout partout Facebook, Instagram, Twitter MCG officiel et puis supportez projet hein, mes amis, supportez attendez sur toute plateforme yo da Asian Boy MCG acheter projet hein, supportez. Moi, je suis en pile. Ok, donc c'était un plaisir pour nous te rencontrer ou pour nous te recevoir dans les chroniques de Chaïka MCG. Donc, nous avons supporté aux jeunes qui nous supportent pour projet ça aller plus loin. Merci ensemble avec tout le monde qui t'a suivi l'émission ça, les chroniques de Chaïka. N'oubliez pas de liker la page, pour nous abonner et pour nous continuer à suivre. Merci en plus.